faut se faire vacciner et protéger les autres et se protéger. Et comme ça, on est plus tranquille. Ça prend 30 secondes, c'est rapide et ça coûte rien, donc vaut mieux le faire. Ouais, c'est une dose, ça fait pas mal, c'est speed, on est vacciné. C'est effectivement une démarche simple et citoyenne. Dans la lutte contre la Covid-19, la vaccination est sans conteste notre meilleur atout. Le virus est malheureusement toujours bel et bien là, et seule une immunité collective suffisante permettra de faire infléchir drastiquement l'épidémie. Les dirigeants du Stade Rennais ont ainsi proposé à l'ensemble de leurs salariés, et notamment aux joueurs professionnels, de bénéficier d'une campagne de vaccination au sein même de la Piverdière. Bon, c'est déjà un acte citoyen, montrer que la sortie de cette crise sanitaire passera uniquement par la vaccination. Donc c'était pour montrer aussi que le Stade Rennais était responsable. Après, c'est un moyen aussi de protéger nos salariés, nos joueurs, et de montrer que le club est très attentif à la santé de ses salariés. Et comme pour tous les citoyens, la vaccination a un intérêt pour la personne qui se vaccine, d'abord pour elle-même, pour sa santé, pour la santé de son entourage, de sa famille, des enfants, des conjoints, conjointes. Il faut être conscient de la situation et savoir qu'on n'a pas d'autres alternatives cohérentes si on veut fonctionner normalement. La majorité des joueurs a décidé d'être vaccinés. Ce n'est pas un vaccin obligatoire, mais on va vivement le conseiller, bien entendu. Yes, il l'a fait. D'accord. Ouais, merci. Deuxième dose juste avant le championnat. C'est comme avoir le permis. L'initiative a permis aux nombreux volontaires de bénéficier d'une première dose du vaccin. Une démarche essentielle pour se protéger, protéger les autres, et pour beaucoup également synonyme d'espoir d'un retour à la vie normale. C'était une évidence parce que les soirs de match, déjà, on sera dans le cadre d'un accueil de public. Et donc, s'il faut faire des tests PCR tous les 15 jours, c'était bien plus simple de se faire vacciner. On a la chance de pouvoir le faire ici avec les médecins du club et avant l'été et les vacances. Donc oui, c'était une évidence. On a fait une année assez difficile avec le Covid. Et aujourd'hui, vu qu'on peut s'en débarrasser, autant en profiter. Que ce soit une ou deux doses, il faut les faire pour le bien de tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon vaccin et je sais que pour moi, je serai tranquille et pour les autres aussi, ils seront tranquilles. Ouais, voilà, pour que tout le monde reprennent la vie normalement et comme on l'aime, quoi.